Retour sur le plateau TV du Salon de l'immobilier de Toulouse Midi-Pyrénées. J'ai le grand plaisir d'accueillir Frédéric Carteret, le président pour la région Midi-Pyrénées de l'Union des Maisons Françaises. Bonjour Monsieur Carteret. Bonjour. Alors, d'abord peut-être un mot des membres de l'Union des Maisons Françaises qui sont présents sur le salon. Qui sont-ils ? Ils sont nombreux. Ouais. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'en avoir 13 sur ce salon. Ah, 13. Je pense qu'en termes de volume, c'est un volume important. J'ai entendu hier que nous représentions 30% en fait des surfaces, mais je pense que nous représentons plus de 60% en fait des gens qui exposent. Alors, ce qui est important de dire, avant de parler effectivement de vos exposants, c'est que la maison individuelle a une place particulière en Midi-Pyrénées. Hein. En Midi-Pyrénées et en France. En Midi-Pyrénées, cela représente plus de 70%. En France, cela représente également 70% du rêve des Français. 70% des Français souhaitent une maison individuelle. Ne l'ont pas forcément, mais en tout cas le souhaitent. Et ils le souhaitent, absolument. Alors dites-moi, qui est là avec vous ? Alors, je vais lire, hein, ça ne vous ennuie pas ? C'est ça pas sera, grave. Ça sera plus facile. Bien sûr. Donc dans l'ordre, nous avons Ami Bois, demeure d'Occitanie, maison familiale, maison France Confort, maison Gauthier, maison Mallet, maison Phoenix, maison SIC, MFP Bâtisseur, Hoc Résidence, Gérard Abadie, Trécobat et Villa et Maison de France. Voilà. J'ai donné la liste. Du beau monde sous la casquette et sous l'égide de l'Union des Maisons Françaises. Justement, cette union dont vous êtes le président pour Midi-Pyrénées, quelle est sa mission, quelles sont ses fonctions auprès de ses adhérents ? On a avant tout un rôle de soutien au niveau des adhérents. Un rôle de soutien, puisque aujourd'hui, ce qui est important pour un constructeur de maisons individuelles, j'ai toujours tendance à dire qu'un constructeur est un épicier. Il a besoin d'être proche de ses clients. Le rôle de l'Union est de les soutenir, d'être également proche de ses adhérents. Également, un rôle très important, c'est le lobbying. Il est important de comprendre que 50% de l'habitat en France est de la maison individuelle. Aujourd'hui, peu de gens l'entendent, notamment le gouvernement. Et notre rôle est de soutenir les constructeurs de maisons individuelles, défendre les intérêts de nos adhérents et bien entendu également défendre l'intérêt du maître d'ouvrage qui, lui, souhaite impérativement construire une maison individuelle. Alors, j'entends bien l'allusion. Vous parlez des politiques publiques et notamment des incitations, notamment au travers des dispositifs du FLO sur l'immobilier neuf, qui a été le prêt à taux zéro, par exemple, a été enlevé, retiré pour l'immobilier ancien. Limité. Oui. Donc, de quel dispositif disposez-vous, vous ? Aujourd'hui, de quel dispositif ? Oui. Mais nous n'en avons aucun. Il nous reste un peu le prêt à taux zéro, mais simplement. Aujourd'hui, le prêt à taux zéro a été limité au maximum et nous n'avons plus aucun dispositif qui puisse nous encourager. Pire encore, il n'y a aucune réflexion de la part du gouvernement. Personne n'est en train de réfléchir pour essayer de nous sortir de cette crise. Alors qu'on sait une chose, c'est qu'aujourd'hui, à partir du moment où on donne une aide, ce qui a été le cas en 2009, bizarrement, cela a permis de booster les ventes. Alors, le lobbying que vous faites, est-ce qu'il commence à porter ses fruits ? Vous avez des espoirs pour que, effectivement, le législateur et l'exécutif prennent en main cette question ? Et si, effectivement, comme vous dites, le souhait, 70% des Français souhaitent avoir une maison individuelle, c'est un petit peu bête d'aller à contre-courant, non ? Ah oui, nous sommes bien d'accord. C'est ce qu'on dit tous les jours. Vous savez, pire encore, le gouvernement a fait une étude au mois de mars auprès de 5000 foyers, a demandé quel était le choix des Français. 70% des Français souhaitent une maison individuelle, mieux encore. 70% de ces Français qui souhaitent une maison individuelle sont prêts à payer 30% plus cher pour vivre dans une maison individuelle. Mais c'est un chiffre édifiant. Alors justement, qu'est-ce qui fait le choix d'une maison individuelle ? On va prendre un exemple très concret sur le salon de l'immobilier à Toulouse. Je viens, un couple, un ménage vient regarder du neuf. Qu'est-ce qui va faire qui peut éventuellement s'ouvrir à un autre choix, c'est-à-dire celui de construire sa maison ? Écoutez, dans un premier temps, vous avez le prix. Aujourd'hui, le coût d'une maison individuelle, l'habitat en maison individuelle est l'habitat le moins inflationniste qu'il puisse y avoir, puisque la maison individuelle n'a augmenté que de moins de 2% sur ces 10 dernières années. Et l'inflation que nous avons connue cette dernière année est due à la nouvelle réglementation thermique. Absolument pas à d'autres raisons. Et également, bien entendu, par rapport au foncier. Donc déjà, il y a le coût. Et puis après, c'est le choix du client. Avoir son jardin, je pense que c'est un choix privilégié et particulier.
Alors, avoir son jardin, sachant qu'il faut être honnête, quand on achète une maison individuelle à Toulouse, pour parler que de Toulouse, on peut rarement être dans Toulouse. On est en première couronne. Voilà, il faut. Cela dit, il y a les transports en commun. Pas encore vendu Place du Capitole, mais on peut essayer si vous voulez. Au plein milieu. En plein milieu, on peut tenter. Celle-là, elle va valoir cher, surtout s'il y a un jardin. Je pense. Vous parlez de la RT 2012. Quel impact a-t-elle sur les obligations des constructeurs et les obligations des propriétaires ? Alors, il y a deux choses. La réglementation thermique 2012 est très importante aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elle nous oblige à une obligation de résultat, ce qui n'était pas le cas. Avec l'ERT 2005. Tout à fait. Donc aujourd'hui, ça éloigne tous les pseudo-professionnels, puisqu'en fait, aujourd'hui, de par l'obligation de résultat, si nous ne sommes pas en contrat de construction, cela devient très compliqué de l'obtenir. Le maître de l'ouvrage, lui, en cas de non-respect, maintenant c'est légiféré, il peut avoir une amende de près de 45 000 euros. Oui, et puis ça peut poser un problème aussi pour lui, le jour où il revendra. Alors, il y aura peut-être une autre réglementation thermique d'ici là, mais enfin, on a besoin d'avoir effectivement des garanties. Justement, des garanties, vous en proposez au travers de l'Union des maisons françaises, une garantie constructeur qui est assez, on va dire, assez cadrée et qui permet aux clients de dormir sur ses deux oreilles, comme on dit. Oui. En régional, c'est toujours difficile de dormir sur deux oreilles. Mais enfin, vous pouvez essayer si vous voulez. J'ai jamais compris cette expression. Mais moi non plus. Mais d'accord. Donc, oui, il faut savoir que la France est le seul pays au monde, en fait, qui nous impose autant de réglementations. Mmh. Et aujourd'hui, un contrat de construction de maison individuelle sécurise le client. Pourquoi ? Et ce, pour deux raisons principales. Un, il apporte une garantie de livraison. Qu'est-ce que la garantie de livraison ? C'est en cas de défaillance du constructeur. Je suis maître d'ouvrage, je veux construire une maison, j'en suis au hors d'air, et puis ben, mon constructeur a une défaillance. Il ne peut pas continuer. Eh bien, derrière, il y a un assureur, il y a un garant financier qui va me permettre de terminer ma maison au prix et dans les délais convenus. Et l'ensemble des membres de l'Union que vous représentez offre cette garantie constructeur ? Obligatoirement. D'accord. Dernier point, un sujet dont on ne parle pas assez, la maison bois. Je vous vois arriver, vous. Oui, la maison bois. Alors bon, on va le dire, vous êtes un représentant de ce mode de construction, mais c'est très intéressant parce que la maison bois, c'est pas la maison des trois petits cochons, contrairement à ce que tout le monde pense, enfin, que beaucoup pensent. La maison bois béton, la maison tout bois, encore qu'on est plutôt dans du bois béton aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il y a un engouement ? Alors, on sait qu'il y a une mode, entre guillemets, pour des postures plus écologiques. Et puis la maison bois offre aussi des avantages très concrets. Est-ce qu'il y a un engouement particulier depuis quelques années sur ce genre de construction ? Eh bien, écoutez, je pense que... On ne va pas parler d'engouement, on va parler d'un marché. Aujourd'hui, en 2005, la maison bois représentait 5% du marché. Aujourd'hui, la maison bois représente 12% du marché. C'est-à-dire que la maison bois est en hausse dans un marché particulièrement baissier. Donc ça, c'est un engouement. Ce n'est plus un marché de niche, ça devient un vrai marché de masse. Tout ce qui tourne autour du développement durable a bien entendu une annotation beaucoup plus importante aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de favoriser en fait le développement de la maison bois. Quels sont les avantages dans une maison bois ? Déjà dans le confort de vie, alors au-delà de l'esthétique, hein, c'est deux esthétiques différentes entre une maison en parpaing et une maison en bois, on a deux visions différentes, mais on va rentrer dans la maison, c'est quoi la différence ? Bah déjà vous avez un taux d'hygrométrie qui est beaucoup... Alors on explique ce que c'est l'hygrométrie quand même. Oui, c'est l'humidité, en fait, le taux d'humidité. Le taux d'humidité est beaucoup plus faible dans une maison à ossature bois qu'une maison en maçonnée. Mm-hmm. Vous avez remarqué, j'ai pas dit traditionnel, j'ai dit maçonnée. Maçonnée, hein. Ouais. Et oui. C'est important la différence. Donc déjà, vous avez un confort. Après, vous avez également une autre résonance. Sa résonance, le bois absorbe les bruits. Donc vous avez plus l'impression d'être dans un cocon. Et il me semble que c'est Confucius qui disait quand malheureusement le médecin ne peut plus rien pour toi, vis dans une maison en bois. D'accord, c'était une réflexion de Confucius. Absolument. Pour terminer, aujourd'hui, ceux que vous avez vus sur le salon viennent plutôt avec un terrain déjà acheté.
où vous avez des clients, enfin des prospects qui viennent en vous disant, voilà, nous on veut construire mais on n'a pas de terrain, donc quel est le rôle que vos adhérents et vous-même jouez pour apporter une solution foncière? Oui, aujourd'hui les gens à 70% n'ont pas leur terrain. D'accord. Lorsque les gens viennent nous voir, ils viennent nous voir avec un projet, ils ont envie de construire une maison, mais souvent recherchent le terrain. Et l'ensemble de nos adhérents sont là et proposent toute une sélection de terrains pour nos clients. Frédéric Carteret, merci beaucoup. Vous êtes, je le rappelle, le président pour Midi-Pyrénées de l'Union des maisons françaises, avec 13 représentants sur ce salon. Bravo. Donc on vous encourage, bien entendu, à venir voir l'ensemble, hein, et pas forcément à Mibois, l'ensemble des constructeurs de maisons individuelles. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve, quant à nous, un peu plus tard sur le plateau TV du Salon de l'immobilier de Toulouse Midi-Pyrénées.